Otobong Nkanga, qui est une artiste nigériane qui a 40 ans. Otobong Nkanga fait un travail très sensible, se préoccupe dans son travail, qui aussi se décline en performance, en sculpture, en installation, qui se préoccupe de la question des ressources naturelles, du paysage, de la parcourabilité du paysage, et aussi ce sont des questions qu'elle connecte à son corps en tant que performeuse. C'est aussi le diptyque que l'on voit derrière, c'est un diptyque d'Otobong Nkanga qui là aussi travaille sur la notion du paysage. Vous la voyez ici déverser un liquide. L'œuvre s'appelle Alsterscape Spilling Waste. Et donc elle déverse cette espèce de liquide plutôt menaçant. Elle parle beaucoup du cycle de l'eau dans beaucoup de travaux. Et comme je vous disais, elle s'investit aussi, elle investit aussi son corps dans ce travail-là. Tout en jaune. C'est parti d'une pièce que l'on voulait absolument montrer, qui est une sculpture de Derek Adam, qui est en masque, en bois, mais qui a l'impression d'être en métal, cubo-futuriste, qui avait été présentée au Studio Museum Harlem. Et à partir de ce masque, on a décidé d'articuler quelque chose sur le stand, sur l'idée effectivement du masque et du totem. Donc à côté de Derek Adam, sur le grand mur, on voit une pièce de Joash Cloche, qui un artiste sud-africain qui a travaillé et qui vit à New York, qui a travaillé entièrement avec le collage. Et donc là, vous allez voir comment c'est lui qui a initié toutes ces textures, hein, et en superposant tous ces morceaux de papier, on réussit à voir de loin et en distance une impression de 3D. Donc je trouve ça assez intéressant dans le collage de réussir à avoir une idée de sculpture. Et c'était une tête qui répondait très bien avec la sculpture qui était à l'entrée du stand. Alors pourquoi le parti pris du jaune? C'était que, effectivement, cette sculpture qui est un peu métal, couleur métal argentée, il fallait qu'elle puisse ressortir et vivre. Donc là, effectivement, le jaune vient en reflet.
avec beaucoup d'éditions de la FIAC au compteur, on essaye chaque année de renouveler la sélection d'artistes que nous présentons. Donc pour cette année, nous avons organisé tout notre stand autour d'une pièce phare qui est un cerveau en marbre de Yann Fabre, un énorme cerveau de pratiquement 2 mètres de haut, sculpté à la main dans du marbre blanc de Carrare, avec dessus un tire-bouchon qui a l'air de soit sortir du cerveau, soit de s'enfoncer dans le cerveau. Et cette œuvre qui réfléchit sur les neurosciences et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur notre interprétation de l'expérience esthétique, nous semblait une bonne œuvre pour placer au centre et ouvrir toutes les autres propositions des artistes de la galerie. On a décidé de faire un solo show de Asim Wakif, qui est un artiste qui est basé à New Delhi, qui est assez jeune, qui a 36 ans, et qui pour cette exposition a réalisé des œuvres qui sont toutes en relation avec ce bâtiment que l'on voit ici, qui est en fait un bâtiment dans le centre de New Delhi qui devait héberger un centre commercial assez luxueux. Et qui, au final, le projet est totalement tombé à l'eau et donc le bâtiment est resté dans cet état complètement abandonné depuis 10 ans.